Alors, l'objectif de podcaster un cours est à mon goût très très simple. C'est simplement offrir aux étudiants la possibilité de suivre intégralement le cours chez eux s'ils n'ont pas eu l'occasion de le suivre dans l'auditoire. Alors, on pourrait dire, ça va faire peur aux enseignants, parce que plus personne ne viendra suivre le cours, mais c'est absolument faux. Beaucoup d'étudiants, une majorité d'entre eux, ont besoin, ont envie d'être dans l'auditoire pour écouter ce que le prof dit. Mais ceux qui sont absents, pour de bonnes ou de mauvaises raisons, ont la possibilité de le faire chez eux avec un cours intégral. Les conseils que je donnerais aux enseignants sont simples, c'est simplement bon, de ne pas hésiter. Ce n'est pas une révolution le podcasting, c'est simplement qu'on filme le cours. Alors, et quand on filme le cours, ben, le cours est effectivement disponible sur une plateforme, mais qui est protégée, c'est pas ouvert au monde entier. Et donc, ça permet simplement d'améliorer un tout petit peu la qualité de l'enseignement qu'on donne.